À l'écoute de vos rêves, je décrypte leurs messages aussi fascinants que sages. Car oui, les rêves vous guident, vous révèlent et vous éveillent. Alors suivez vos rêves, ils connaissent le chemin. Aujourd'hui, nous parlerons d'un joli sujet, les débuts amoureux. Muriel a rencontré depuis peu un homme et leur relation est merveilleuse. Mais comme en général, quelques ombres du passé ont commencé à ressurgir. Muriel a notamment peur d'être à nouveau trahie dans sa relation. Un rêve est venu lui dire si ses craintes sont justifiées, quelle est la cause réelle de ses peurs et comment faire pour ne plus se laisser emporter par ses inquiétudes. Bonjour Muriel. Bonjour Marielle. Écoute Muriel, je suis contente de t'avoir avec moi et je voudrais te remercier de partager ton rêve avec nous parce que je sais qu'au moins c'est très courageux. Les rêves, il faut savoir, ils révèlent toutes nos profondeurs et disent tout de nous. Chacun pourra bénéficier de la sagesse de ton rêve, qui est une sagesse universelle et que tout le monde porte en soi. Et en fait, en écoutant les messages des rêves des autres, eh bien, il y a toujours, ou très souvent en tout cas, des résonances pour chacun, puisque nous sommes tous dans le même bain, nous sommes tous un. Voilà le rêve. Alors, je vais d'abord le lire et puis on va en parler après. Le rêve commence ainsi. Je suis avec mes parents. Je sors pour vérifier quelque chose chez moi. Donc, c'est un ancien appartement où j'ai vécu autrefois. Ce n'est pas l'appartement actuel. La porte est entrouverte. Un daim se sauve. Il est donc rentré de l'autre côté. J'inspecte la maison. Il y a une autre partie ouverte. Tout à coup, un homme surgit. Je lui saute dessus, lui cogne la tête plusieurs fois violemment. Il est mort. En fait, c'est un ex. Je retourne chez moi. Je vois le corps de cet homme, mon ex. Je l'ai immergé dans l'eau de la baignoire. Je demande à mon père conseil. J'étais en légitime défense. Que faire, hein? Dois-je prévenir la police et qu'est-ce que je dois leur dire? Aïe, aïe, aïe. Bonjour, le rêve. Bon, tu as tué un ex. Alors, a priori, puisqu'il y a un ex, ça semble souvent représenter le domaine de la relation sentimentale. Alors, je vais te demander pour vérifier si c'est bien le sujet, où tu en es actuellement, si tu veux bien nous dire, en termes de relation amoureuse. Oui, alors je suis séparée et à nouveau en couple avec un nouveau compagnon depuis plusieurs mois, et ça se passe très bien. Donc, ben, ça se passe très bien, malgré, bien sûr, quelques petites inquiétudes de mon côté classique, comme un début de relation. D'accord. Est-ce que, éventuellement, tu peux nous en dire un peu plus sur ces inquiétudes? Voilà, un petit peu d'inquiétude, de jalousie ou de choses comme ça, alors que par ailleurs, ça se passe très bien et j'ai absolument rien à lui reprocher en termes de fidélité ou quoi que ce soit. C'est un petit peu, pour moi, un sujet délicat, la fidélité, la confiance, voilà, confiance en soi, en l'homme, etc. Donc, ça se comprend, parce qu'au début, on ne connaît pas tellement l'autre, on voit surtout ses beaux côtés. Et on va regarder, ce rêve te parle de tout ça, en fait. Comment on le voit, c'est que tu es en train de vérifier quelque chose. Donc, dans cette relation amoureuse que tu es en train de vivre, il y a peut-être, tu vas me dire si c'est juste, ce besoin de vérifier si c'est la bonne personne, s'il pourrait y avoir des problématiques dont tu parles, dans cet état un peu de vigilance en ce moment. Ah oui, complètement. Oui. Je crois que je suis tout le temps vigilante par rapport à ça. Vraiment, sur des petits détails, des petites choses, je me rends compte que je suis vigilante là-dessus. D'accord. Donc, c'est pour ça qu'on voit dans le rêve déjà que tu vérifies quelque chose chez toi. Hein. Alors, on va le voir en détail. On va reprendre tout le rêve, phrase après phrase. Mais déjà, de manière globale, on peut voir qu'au départ, il y a cette vigilance. Puis, c'est comme un peu un scénario catastrophe. Ça veut dire que depuis cette vigilance, petit à petit, on arrive jusqu'à un meurtre. C'est souvent la tendance à dramatiser parfois les choses. Est-ce que toi, tu aurais cette tendance-là dans ta relation actuelle? Globalement, oui. J'ai un petit peu tendance à prendre trop les choses à cœur. Il n'y a jamais rien de concret qui soit embêtant. Hein. C'est vraiment une hypervigilance de ma part, quoi. Alors, on va voir le rêve depuis le début. On va reprendre. Donc, la première phrase, je suis avec mes parents. Problématique du rêve remonte à l'enfance puisqu'il y a des parents. Je vais te demander. Comment était le couple parental, si tu veux bien m'en parler? Qu'est-ce qui se passait entre eux?
Mes parents formaient un couple où ma mère était plutôt effacée, mon père assez forte personnalité. Bah, il faut savoir que mes parents divorçaient. Mon père, en fait, a trompé ma mère et donc est parti avec une autre femme plus jeune. Ils ont divorcé quand j'avais une vingtaine d'années, quoi. D'accord. J'imagine que tu l'as vécu difficilement. Tu as découvert cette relation cachée de ton père. Comment tu as vécu ça? Ça a été vraiment un choc parce que bah, je pensais qu'il était vraiment très, très honnête, très droit. Et là, j'ai été vraiment très en colère. J'ai failli vraiment couper les ponts avec lui. Ça a été une période difficile et je suis tombée de très haut. Je m'y attendais absolument pas. Oui. Alors, il se trouve que quand on est enfant, on est jeune, on a une représentation de ce que peut être le couple au travers du couple parental. Et quand tu t'entends dire ça, j'ai la sensation que tu as pu commencer ta vie avec une croyance assez forte, en début de vie sentimentale, puisque tu avais 20 ans. Donc, suite à ce choc de découvrir que ton père a trompé ta mère, qu'est-ce que tu as pu te dire sur les hommes ou la relation? Avec le recul, maintenant, je me dis peut-être j'ai fait un raccourci en disant que les hommes trompent leurs femmes, qu'on ne peut pas leur faire confiance. Vu ton histoire, ça peut être engrangé en toi parce que ce qu'on voit après, alors je saute quelques paragraphes pour l'instant, mais il y a un ex que tu vas assassiner, que tu vas tuer, il surgit soudainement dans ton histoire. Est-ce que tu peux dire rapidement quel était le type de relation avec cet ex? Oui, cet ex que j'ai tué dans le rêve, c'est un homme qui m'a évidemment trompée. Voilà, vraiment le symbole pour moi de l'infidélité personnifiée. Oui. Une partie du temps, il a eu quasiment une double vie. Enfin, vraiment, ça a été une très, très grande trahison. Ça semble bien représentatif de cette croyance où on ne peut pas faire confiance aux hommes, il ne faut pas se fier aux apparences. Donc, ce qui se passe là, c'est que le rêve vient te dire que, puisque tu es avec tes parents, problématique remonte bien à la relation qu'ont eu tes parents. Et tu as pu te définir ou définir le couple au travers de ça avec cette peur. Et il se trouve que dans la vie, on attire plutôt ce qu'on croit, pas ce qu'on veut. C'est-à-dire, si tu crois que les hommes sont des trompeurs, il a pu y avoir une situation dans laquelle tu t'es installé, là où il y avait des tromperies, où tu avais peut-être fermé les yeux. Ou... Tu disais que ta mère était aussi assez effacée. Est-ce que toi, avec ton ex, tu étais effacée? Ah oui, j'ai accepté beaucoup de choses, hein. C'était une relation qui a quand même duré presque 10 ans. Je pense que j'ai accepté, sans rien dire, beaucoup d'absences, D'accord. beaucoup de choses, oui, tout à fait. Je suis vraiment étonnée de ce que tu dis parce que j'avais jamais fait le lien avec le couple de mes parents et ce qui s'était passé. Donc c'est vrai que là, je suis assez étonnée de me rendre compte que ça peut remonter plus loin que cette histoire avec mon ex. Je pensais que mon problème de peur d'infidélité était lié à cette histoire où j'ai été trompée dans cette longue relation, mais en fait, j'avais jamais réalisé que ça remontait bien avant. Et c'est l'intérêt des rêves, et c'est fascinant, c'est que les rêves vont nous donner la source, la cause du problème. Ça veut dire qu'avec un rêve, on peut avoir la problématique, l'explication de ton attitude, et puis la cause, et on va voir aussi la solution. Donc, dans ce début de rêve, il y a tes parents. On voit donc que c'est une cause probable de ta croyance qu'il ne faut pas faire confiance, et on reconnaît aujourd'hui dans ta nouvelle relation cette peur qui revient. C'est pour ça que l'ex surgit dans ton rêve. Soudainement, il vient aussi te rappeler quelque chose qui te fait peur. En le tuant, tu essaies de le refouler, tu essaies de le mettre de côté pour pas penser que ce soit possible qu'avec cette nouvelle relation, ça recommence encore. Mais il y a quand même la peur, elle est là. Puisque dans le rêve, il revient, tu le tues et tu l'immerges dans l'eau de la baignoire. Ça veut dire que dans l'eau de la baignoire, tu es en train de noyer le problème pour éviter de le voir en face. Alors maintenant, on va continuer avec le rêve sur le deuxième paragraphe. Donc, je sors pour vérifier quelque chose chez moi. Donc, c'est un ancien appartement où j'ai vécu autrefois. Alors, peux-tu me parler de cet ancien appartement? Qu'est-ce qui se passait à ce moment-là dans ta vie? Ah ben c'est l'appartement où je vivais à l'époque où j'étais avec ex à qui je suis restée 10 ans et qui m'a trompée et qui a eu une double vie. Donc, ce qui est montré là, c'est que ta relation actuelle te ramène dans un passé qui vient te rappeler de ce que tu as vécu
et que tu te réinstalles dans ces inquiétudes que tu as vécues par rapport à ce texte et puis par rapport à ton père. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu as réouvert des portes, en fait, sur un passé. Et la porte, justement, on parle de porte, la porte est entrouverte et un daim se sauve. Il est rentré de l'autre côté, puis tu inspectes la maison, il y a une autre porte ouverte. Alors, qu'est-ce que c'est que ce daim? Alors, tu vas me dire tout simplement, c'est quoi un daim pour toi? C'est comment? Un daim, c'est un joli animal inoffensif, normalement, et sympathique. Et ça me fait aussi penser au bonbon. Ce bonbon, le daim, là, qui est un petit peu chocolaté, croustillant, et voilà. Le rêve est très mignon, là. Quand la porte est entrouverte, ça veut dire que quand tu laisses rentrer de l'extérieur, je dirais, des informations ou quelque chose, puisque la porte est entrouverte, tu n'es pas protégé, tu n'as pas complètement fermé les écoutilles. Donc, quelque chose vient te perturber, ça rentre d'un côté et puis de l'autre, et quand tu inspectes. Alors, on a dit que tu vérifiais quelque chose. On revient sur ta relation amoureuse d'aujourd'hui. Est-ce qu'il est possible que tu sois dans la vérification, en laissant rentrer des informations? Il y aurait des portes ouvertes sur d'autres choses qui pourraient venir te perturber. Dans ma relation amoureuse actuelle, il y a une vigilance et c'est vrai qu'il y a eu un ou deux petits incidents liés au fait qu'un copain de mon compagnon lui a envoyé une fois ou deux une photo un peu sexy d'une femme plantureuse. Bon, voilà, c'était un petit jeu entre eux avant qu'ils soient en couple. Du coup, ça m'a dérangée. Je pense que ça m'a inquiétée et que ça doit relancer un petit peu mes angoisses par rapport à l'infidélité. C'est le seul, vraiment le seul élément que je vois qui pourrait expliquer ça et bah, les inquiétudes que j'ai dans le couple. Alors, ce qui est mignon, c'est que le daim, là, il est représenté. Donc, tu m'as dit, c'est un joli animal, et puis c'est un bonbon croustillant. Donc, ça pourrait représenter ces fameuses photos. Hein. Quelque chose qui est montré là de manière très inoffensive, quelque chose qui serait comme un petit plaisir que pourrait avoir éventuellement ton compagnon du moment à regarder juste ces photos de manière très furtive, hein, puisqu'un daim, là, il rentre, il sort, il n'y avait pas de sujet. En sachant qu'il y a ces photos ou ces jolis animaux, comme tu le dis, eh bien, apparaît soudain un homme qui est ton ex. Donc, est-ce que tu as la sensation d'avoir, une fois que tu as vu ou su qu'il y avait eu ces deux photos, tu as tout de suite paniqué et peut-être que a ressurgi en toi ces souvenirs de tromperies qui ont pu t'inquiéter à nouveau? Ah bah j'ai très mal réagi, ça c'est sûr. Après j'ai pas fait un lien direct avec la tromperie que j'ai vécue avec mon ex, mais effectivement ça réactive chez moi beaucoup d'angoisse. Hein. Je trouve ça complètement absurde et disproportionné, mais je peux pas m'en empêcher. Effectivement, ces petites choses croustillantes là me mettent dans des états vraiment désagréables. C'est de la colère, c'est... Je sais pas si c'est vraiment de la colère, c'est plus, je crois, de l'angoisse, de la peur. On le voit dans le rêve, puisque tu dis tout à coup, un homme surgit. Donc, c'est comme si soudain, tu as une peur instinctive de quelque chose, que tu vas essayer de te défendre comme tu peux, et là, tu découvres que c'est ton ex. Donc, ça ne veut pas dire que ton compagnon d'aujourd'hui est justement comme ton ex. On voit au départ, d'ailleurs, que le daim, c'est inoffensif, et le rêve le dit bien. S'il avait voulu te montrer un danger, il aurait montré une autre image qu'un daim ou un bonbon croustillant. C'est toi qui vas ensuite dramatiser comme s'il y avait, on avait appuyé sur un bouton et que ça réouvre tout ton passif à ce niveau-là. Et donc là, ça va faire une réaction violente envers toi-même aussi et cette peur qui monte. Alors la suite du rêve dit, je retourne chez moi, je vois le corps de cet homme, je l'ai immergé dans l'eau de la baignoire. Ça montre que tu as noyé dans l'eau étant des émotions, et on va voir peut-être éventuellement, alors là, on rentre un peu dans des détails, mais la baignoire et l'eau dans la baignoire peuvent représenter la relation sexuelle. Alors, je vais te demander si, est-ce que éventuellement, pour ne plus regarder en face le problème ou pour calmer ta peur et tes angoisses, est-ce que la relation intime est quelque chose d'important pour toi et que ça t'aide à retrouver une forme de paix? Oui, alors ça, effectivement,
C'est un moyen un petit peu de me rassurer, de me sentir vraiment connectée à mon compagnon. Et c'est vrai que ça passe en ce moment beaucoup par le corps, par les relations intimes. Et que le rêve montre, je retourne chez moi, je reviens à moi, hein, j'essaye de quitter cette histoire, et que quand je me retrouve dans une relation intime avec mon compagnon, bah, en fait, le corps de cet homme est sous l'eau, donc ça va, il est caché, quoi, il est oublié en quelque sorte, refoulé. Mais ensuite, que faire de tout ça? Parce qu'il est quand même là, c'est toujours sous-jacent, ton inquiétude. La dernière phrase du rêve dit, je demande à mon père conseil. Et j'étais en légitime défense, mais qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois prévenir la police, me raconter tout ça? Alors, ton père revient dans le rêve. Il vient parce que ton père, c'est aussi l'autre aspect de l'homme dont tu as peut-être besoin. C'est le besoin de sécurité, de conseil, d'être guidé. Et c'est un peu ambivalent parce que tu as à la fois cette peur et à la fois ce besoin. Et avec ton compagnon aujourd'hui, est-ce qu'il est aussi un homme de bons conseils qui t'appuie, qui te soutient et dont tu as besoin à ce niveau-là? Ah bah, énormément. Il m'appuie énormément, il me soutient. J'ai passé une période très compliquée. Il a été hyper présent et à l'écoute et de bons conseils, impliqué. Donc, tout à fait. Alors, ce que montre ton rêve, en fait, il y a comme une projection du père, du besoin de conseils, etc., tu trouves, dans cette relation amoureuse d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il peut jouer aussi ce rôle un peu paternel, parce qu'à la fin, il arrive, et c'est le côté positif de l'homme. D'un côté, tu peux dire, on ne peut pas faire confiance aux hommes, et de l'autre, ce sont des soutiens, des aides importantes dans ma vie. Alors, le rêve, il va dissocier un peu tous les aspects de l'homme pour montrer dans une relation tout ce qui se joue dans une relation. Ce qui est intéressant pour tout le monde de vérifier aussi, qu'est-ce qu'on projette sur notre conjoint en termes d'image parentale ou de peur ou de besoin. C'est pour ça que c'est vraiment fabuleux pour décortiquer la vie sentimentale. Et puis ensuite, la question, c'est qu'est-ce que je fais de ça? Dois-je prévenir la police? J'étais en légitime défense. La police peut représenter aussi ici, évidemment, la culpabilité. Hein, j'ai fait quelque chose que je n'aurais pas dû. Il y a eu une agressivité et un assassinat. C'est ça. Je vois bien que ma réaction, elle est disproportionnée. Elle est violente. Comme dans le rêve, je suis violente avec mon ex. Et ma réaction par rapport au daim, on va dire, et je la Exactement. réprime, et donc je suis très mal. Ça, je m'en rends bien compte. Donc, qu'est-ce qu'on va faire de ça? Alors, il faut revenir au début du rêve. Hein. Voilà le conseil qui est caché dans le rêve. C'est que dès le départ, prendre conscience que ce ne sont que des daims, c'est éventuellement ces photos ou c'est ce qui te fait si peur que ça, d'arriver vraiment à rester légère avec ça. Un dain, il y a ce côté léger aussi. Hein. En prenant conscience que tout cela vient du passé par rapport à ton père et à ton ex, ça va te permettre d'être consciente que tu es en train de projeter des inquiétudes qui n'ont pas lieu d'être, hein, puisque le rêve dit que ça n'a pas lieu d'être, sur une relation actuelle. Donc, à chaque fois que tu as une pensée d'inquiétude, revenir à toi, relire ton rêve à la rigueur, tu vois, et te dire, bon, bah maintenant, qu'est-ce que je suis en train de projeter et comment changer mes pensées pour pouvoir être plus sereine avec tout ça. Mais tu peux être confiante, ce rêve dit bien qu'il n'y a pas de sujet, rien de grave, il n'y a pas de tromperie, et c'est vraiment un rêve qui est intéressant, et je le dis pour tout le monde, un rêve intéressant parce qu'il vient vraiment montrer la réalité, en fait, celle qu'on ne voit pas. Et encore une fois, si c'était plus grave que ça, le rêve le montrerait très différemment. Voilà. Bah écoute, est-ce que tu as un commentaire à faire ou quelque chose à rajouter? Je te remercie, Marielle. J'aurais jamais imaginé que ça remontait à ma jeunesse, cette croyance dont j'avais pas non plus conscience. Et je trouve ça vraiment incroyable et vraiment bluffant ce qu'on peut décrypter dans ses rêves. Merci beaucoup ton travail et ton analyse. C'est passionnant. Merci Muriel de ton partage. Je rajoute que dans les rêves, on trouve souvent des croyances limitantes, les croyances cachées en soi, et que c'est le sujet le plus important, c'est en changeant nos croyances, on change notre réalité. Voilà, c'est un magnifique message. En tout cas, merci beaucoup Muriel, à une autre fois avec un grand plaisir. Merci Marielle, à bientôt.